Salut, donc je suis de retour chez moi aux États-Unis, à Boston, et j'ai l'impression que cette année est passée super super vite. J'ai très peur de, je sais pas, j'ai l'impression que je vais tout oublier, ou, enfin je sais que c'est pas vrai, mais je sais pas, ça fait vraiment bizarre. Là je travaille tous les jours, donc je suis assez occupée, et je sais pas, j'ai l'impression qu'un de ces jours je vais juste me réveiller et me retrouver à Paris. Je sais pas, c'est vraiment passé très vite. J'ai vraiment du mal à me réinstaller, à me réhabituer à la vie américaine. Même que c'est. Enfin, j'ai l'habitude de ça, quoi. C'est rien de nouveau. Mais c'est difficile quand même. Boston, en même temps, je connais moins Boston que Paris, en fait, du coup. Parce que moi, j'habite juste en dehors. On peut y aller facilement en voiture, 15 minutes. Mais si je veux aller juste comme ça, c'est un peu plus compliqué. Soit on conduit, mais moi je conduis pas. Il y a les bus, mais c'est pas très rapide. Le métro non plus. C'est vraiment pas Paris, quoi. Au moins, je suis pas à la campagne, parce que ça, ce serait autre chose. Ce serait beaucoup plus difficile, je pense. Mais en même temps, la petite banlieue où je suis, c'est pas la grosse ville non plus. C'est pas le centre-ville. Et j'avoue que ça me manque. À Paris, ça me manque de ne pas pouvoir juste marcher de chez moi et puis me retrouver au centre dans un rien de temps. Du coup, je vais essayer de redécouvrir ma propre ville pour voir si je peux avoir un peu ce sentiment de découverte que je sentais à Paris, parce que du coup, Paris, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, mais pas vraiment comme parisienne. Et là, je vais essayer de faire la bostonienne et aller vous montrer un petit peu où j'habite. Je vais essayer de prendre le bus et on va arriver à Park Street, qui est vers le quartier financier, et je vais vous montrer tout ça. Donc, let's go! We'll be right back.